Précédemment, dans le Soul Silver Nuzlocke. Ah voilà, donc ce gars en costume rouge, c'est ma mère qui l'a envoyé. Ah voilà, donc ce gars en costume rouge, c'est ma mère. Coucou, Dueling, je pense que je suis enceinte et face de cul est le père. Je m'en fous. Désolé, soporifique, mais je pense que ça ne marchera jamais entre nous. Tu ne sais pas tout ce que je suis prêt à faire pour toi. Je pars m'isoler dans la boîte 1. Tu me retrouveras lorsque ton amour pour moi se sera réveillé. Dueling, je pense que je suis enceinte et le professeur Orme est le père. Je m'en fous. Tenez, madame, prenez ce poisson, je vous l'offre. C'est un cadeau d'amour pour ma petite fille? Ouais, alors non, en fait, c'est surtout un message subliminal pour lui rappeler que c'est une morue. Dueling, je pense que je suis enceinte et l'infirmière Joël est le père. Je m'en fous. Allez, esclave, bouge cette caisse! Tête au sale blanc, ou je fais un frappate là si fort que ta tête ressortira pas ton cul. Dueling, je pense que je suis enceinte et Maril est le père. Oh mon Dieu! Oui. Commence une nouvelle vie, nouveaux ennemis. Si tu te bats pour ta survie, on sortira grandi. Et perd, c'est une question de victoire. Et si tu veux gagner, tu dois pouvoir y croire. Chacun de tes pas te propulsera vers la gloire. Tu devras tout donner, non jamais cesser d'en vouloir. Pokémon, Pokémon, plonger dans l'aventure, diamant et perle, et changer le futur. Pokémon. Bonjour professeur Orm, regardez un peu l'œuf que vous m'avez donné, il a éclos. Vous avez vu, c'est formidable, hein? Hein, professeur? Bonjour, Dueling, comment vas-tu? Tu as réussi à faire éclore cet œuf, alors je suis sûr que tu réussiras à devenir maître. Mais t'as de la merde dans les yeux, l'œuf que tu m'as confié, regarde, il est devant tes yeux. Putain de merde, regarde ça comme c'est beau. Arrête de faire ton timide, toi. Bonjour, Dueling, comment vas-tu? Tu as... Non, putain de merde. Bon, tiens, en passant, puisque je suis là dans cette ville-là et que j'ai pas encore eu de Pokémon de zone là-dessus, je vais utiliser coup de boule dans cet arbre pour essayer de capturer un Pokémon. Si ça se trouve, j'aurai un Scarino. Ou... pas... D'accord, merci Ratata. Peut-être, c'était peut-être pas intelligent de demander à un Ratata, une créature aussi petite, de donner un coup de boule dans un arbre parce qu'il n'est pas capable de faire tomber quoi que ce soit. Ratata, bordel de merde, vas-y, fais quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cet arbre-là? Ou alors, il n'y a rien dedans? Allez, vas-y, tu peux le faire. On croit en toi. Oh putain, bon d'accord, on va changer d'arbre, on va changer d'arbre. Ça doit être un problème d'arbre, hein? C'est ça, c'est clairement un problème d'arbre. Ça peut pas être autre chose. Allez... Et c'était un problème d'arbre. D'accord, bon bah d'accord, ok, c'est bon, je démissionne. Je me casse. J'en ai marre, c'est bon, ça suffit. Bon, alors on va capturer ce coxy. Mais t'es niveau 5, rentre dans la boule! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi est-ce que ça commence comme ça? Qu'est-ce que c'est que cet épisode de merde? Mais rentre dans la putain de boule! Bon, d'accord, attends. On va utiliser la stratégie des mecs, attention. Je vais envoyer à la coque et je vais faire bâillement. Comme ça, eh ben, Coxy va dormir et du coup, je vais multiplier mes chances de capture par deux parce que je sais très bien que si je touche Coxy, Coxy meurt. Coxy claque. Si je touche Coxy, Coxy claque. Bon, c'est bon, je l'ai eu quand même. Oh là là. Faut vraiment que j'arrête de faire des blagues. Bon, alors du coup, comment est-ce qu'on va l'appeler ce Coxy? Parce que j'avais pas prévu de mettre un... Enfin, d'ajouter un Coxy au Pokémon que j'avais. Donc, il va falloir que je... Bien. Alors, Coxy, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est, Coxy? Coxy, c'est une coccinelle, évidemment. Certes, soit. Ah oui, si, la coccinelle, son surnom, c'est la Bête à bon Dieu. Alors, on va l'appeler Bête à bon Dieu. Non, il n'y a pas la place. B-E-T-A-B-O-N-D-I-E-U. Mais non, ça marche pas. Bah, on peut t'appeler Tabon Dieu. Tous, voilà, on vire une syllabe complètement. Voilà, alors du coup, ce coxy s'appelle maintenant Tabon Dieu. C'est très intéressant, je suppose que vous êtes fiers de le savoir. Et donc, nous pouvons continuer parce que, bah, à part ça, ça n'a aucun intérêt. Je pense que je n'utiliserai pas ce coxy à moins qu'une grande catastrophe arrive dans mon équipe, ce que je ne me souhaite pas.
Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais acheter des Pokéballs. Ah, je vois que vous avez capturé plein de Pokémon. Non, pas du tout, en fait je viens d'utiliser 3-4 Pokéballs sur le même Pokémon. Un putain de coccyx niveau 5. Te fous pas de ma gueule toi, hein. Je te rappelle que c'est mes sous qui remplissent ta caisse et qui te permettent de manger. Bref, suite à cela, je suis donc allé rechercher Prédatrice dans la pension, et comme vous pouvez le voir, il est niveau 21. Donc, quand il évoluera en Léviator, il n'apprendra pas Morsure, parce que je l'ai laissé un peu trop longtemps. J'ai la haine. Un petit peu, là, oui, là, j'ai un petit peu la haine, je dois l'avouer, mais bon, c'est comme ça, on va dire. J'avais qu'à pas attendre autant de temps et décider de me refaire toute la carte dans l'autre sens juste pour aller capturer un putain de coccyx de merde. Bon. Un Pokémon qui est fort contre n'importe quel ennemi, ça n'existe pas. C'est vrai. Quoique. Arceus? Non? Peut-être, un peu quand même. Bon, d'accord, il y a des Pokémon super efficaces contre Arceus, mais bon, il s'en fout, c'est un dieu. Il en a rien à foutre de ce que tu peux lui dire. Voulez-vous soigner vos Pokémon? Oui, j'en profite pour parler de ce gros, parce qu'il m'a parlé, mais j'ai pas eu le temps de noter ce qu'il disait. Enfin, de relever ce qu'il disait. Il disait, maintenant on a découvert tellement de Pokémon qu'il doit y en avoir plus près de 500. Ça sent le dialogue pas du tout ajouté pendant le remake. Bien, 496, c'est ça qu'il y avait comme Pokémon à la fin de la génération 4. Bref, un peu plus intéressant, maintenant nous allons ouvrir le PC pour retirer Soporifique. Pourquoi Soporifique? Peut-être que ceux qui connaissent le jeu par cœur savent pourquoi, mais sinon les autres se disent, mais la prochaine arène c'est une arène de type normal, pourquoi est-ce que tu prendrais Soporifique alors que tu es déjà à la coque? À la coque ça passe, enfin je sais pas... Soporifique, ça me paraît pas être le Pokémon le plus intéressant de tout l'univers tout entier. En plus, il est moche, tout ça. Bon, d'accord, certes, il est moche. Ça, c'est vrai. Mais ce Soporifique a un intérêt plus que non négligeable. Je me rattrape très bien, j'ai failli dire de la merde. On va monter un petit peu dans le centre commercial. Je vais vendre Soporifique, en fait. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'il y a un trafiquant de Pokémon, là. Je vais lui donner Soporifique, il va me donner des sous. Et du coup, comme ça, au moins, Soporifique aura servi à quelque chose. Je déconne. Mais presque. Donc on va au 5e étage, je crois me souvenir que c'est là que j'ai croisé ce gentil monsieur qui m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Le coin tranquille. Ah, c'est peut-être pas cet âge-là alors. Attends un peu. Tac. Ah ouais, non, il y a personne. C'est le mec qui est adossé contre un mur du fond. Donc ouais, ça doit être à l'étage 4, alors attention. Nous allons descendre d'un étage. Franchement, je fais n'importe quoi là. Un coup, je monte les escalators, un coup, je descends l'ascenseur, un coup, je redescends les escalators. C'est la folie. Le dimanche, une dame vient donner des CT, parce que j'ai eu le temps de lire. Ça va être intéressant. Il faudra qu'un dimanche, j'allume ma DS pour faire ça. Pourquoi pas. Moi, je collectionne les Pokémon. T'as un Soporifique? Tu me l'échanges contre mon Machoke? Oui, monsieur, parfaitement. Machoke, c'est un Pokémon qui va m'être un petit peu plus utile contre la prochaine arène, qui, je le rappelle, est une arène normale, avec le célèbre Pokémon dont tout le monde a peur. Tout le monde a peur de ce Pokémon, même ceux qui ont jamais joué à un jeu de la deuxième génération. Écrémeux. L'écrémeux de Blanche à Céladope. Oui, bien sûr, à Doublonville. C'est THE Pokémon dont il faut avoir peur. Celui-là, et puis... Non, c'est tout. C'est un des Pokémon qui font le plus peur aux Let's Players, et aux Nuzlockers surtout, parce que, bon, à la rigueur, si tu fais un Let's Play avec tes Pokémon, ils meurent pas, t'en as pas peur. Bonjour, petit Machoke, comment tu t'appelles? Gonflore. Ok, d'accord, pourquoi pas, c'est le Pokémon qui te gonfle jusqu'à ce que t'en puisses plus. Pourquoi pas, moi je lui aurais donné un autre nom, je sais pas, j'aurais appelé Rambo, un truc un petit peu plus intéressant que Gonflore, mais bon, vu que je peux pas le renommer parce que c'est un Pokémon échangé, bah on garde Gonflore, soit, allons-y, c'est très bien. Donc, Gonflore a le bracelet macho sur lui, je pense que je vais lui enlever, et puis à part ça, rien de spécial, c'est juste un Pokémon de combat qui va m'être très très utile pour affronter l'arène, et puis pour après, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, voilà.
En entraînant Machoc, j'ai été embêté par un policier parce que bah, du coup je me suis entraîné, puis bam, soudain la nuit est tombée, et du coup la nuit les chats sont gris, effectivement, tous les chats sont gris, c'est une très très bonne remarque, je ne l'aurais pas dit mieux moi-même, mais également les policiers deviennent méchants, c'est-à-dire que, j'ai déjà fait cette blague, bon je vais pas la refaire, mais si je vais la refaire, la journée quand tu te balades ils te font « Hey citoyen, viens, tu peux passer citoyen », et après pendant que, quand tu les vois la nuit, ils te font « Hey citoyen, viens là que je te défonce la gueule avec mon Caninos niveau 14. Vous pouvez regarder l'épisode précédent, je dis exactement quasiment les mêmes mots. Là, le Caninos était niveau 17, donc c'est un policier qui est probablement gradé, je suppose, j'en sais rien. Agent Nicolas, c'est un agent, c'est pas un policier, c'est pas un flic. Le mec, on voit bien qu'il s'occupe pas de la circulation, quoi. Donc, ouais, c'est un gradé, c'est un agent et tout. Bref. Ensuite, suite à mes nombreux entraînements, Magikarp, enfin Prédatrice, pour être plus précis, Prédatrice a évolué. En quoi? Sérieusement, vous avez posé la question en quoi? Vraiment? Vraiment, vous posez ce genre de question? Mais en Milobélus, bordel de merde, vous voulez qu'il évolue en quoi d'autre? Bon, alors donc nous avons notre Milobélus, et ce n'a pas été le seul à évoluer, puisque atteint le niveau 20, Incisive a également évolué en gros rat plein de poils dégueu qui pue. Et je pense que si ça rentrait, ce serait son nouveau surnom, mais gros rat plein de poils dégueu qui pue, il y a beaucoup trop de lettres. Non, c'est... Je pense que même si j'avais deux Pokémon, je pourrais pas aller à la suite, tu vois, si je collais les deux noms à la suite comme ça, bah je pense que je pourrais pas faire gros rat dégueu qui pue. Non, ça marche pas. Tant pis, c'est pas grave. Incisive veut apprendre Grimace. Voilà. Voilà, voyons voir un petit peu s'il a pas des attaques. Non, hein. Non. Voilà, donc on s'en fout. Oui, je veux arrêter d'apprendre Grimace. Bien, c'est ça, c'est ce que je voulais. Merci. Voilà. Ensuite, d'autres nouvelles. Oui, je voulais reprendre Spectral pour l'arène de type normal, parce que ça me semblait normal. Sauf que je me suis dit, bon, maintenant qu'il est niveau 14, il peut affronter les soporifiques. Ben non, il pouvait pas, il est mort. Donc voilà, c'est un petit peu con, c'est-à-dire que je voulais vous faire la surprise et tout, commencer l'épisode en disant « Hey, salut à tous, comment ça va, regardez, j'ai rajouté Spectral dans l'équipe parce qu'il est trop épique et tout », et en fait il est mort, même pas à l'écran, voilà, contre un soporifique. C'est honteux. Je suis complètement d'accord, c'est une honte intergalactique. Je m'en vais de ce pas déposer Spectral dans la boîte. Et puis, bah, du coup, à la place... Oui, non, en fait, je le dépose pas dans la boîte, je les relâche dans cette version-là. Voilà, donc au revoir Spectral, tu as été relâché, on ne t'oubliera jamais. Parce que... Enfin, si, on va probablement t'oublier parce qu'on ne t'a jamais utilisé, bordel de merde. Donc nous allons mettre, voilà, et vous constaterez d'ailleurs une jolie faute de raccord dans cet épisode, puisque l'évolution de Prédatrice n'a pas encore eu lieu dans ce truc là, donc je ne sais même pas monter un épisode dans l'ordre, je suis vraiment une brêle du montage, maintenant je pense que je vais aller me suicider. Je reviens. Non, je déconne. Salut à tous! Ça y est, je peux enfin commencer mon épisode. Salut à tous, c'est Duelin Gentleman, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Bienvenue dans ce 13e épisode du Soul Silver Nuzlocke. Dans mon équipe, nous avons maintenant Darabeille, qui est au niveau 25, Alakok, qui est au niveau 25, Florian, qui est au niveau 25, Gonflor, qui est au niveau 25, Moutonnet, qui est au niveau 25, et Incisive, qui est au niveau 23. Non, je déconne, niveau 25 aussi. Donc, dans ce nouvel épisode, qui a quand même pris 13 minutes et demie à démarrer, avec tous les trucs que j'ai dû faire au préalable, nous allons, dans cet épisode, visiter Doublonville, voir s'il n'y a pas des gens qui nous donnent des objets, des trucs comme ça, et puis ensuite, si on a le temps, on ira prendre d'assaut l'arène de type normal, dans laquelle il y a Blanche et son écrémeux de malade. Voilà, donc ça, c'est ce qui est prévu. Et si ça se trouve, je devrais arrêter l'épisode en plein milieu pour le temps, parce que quand même là, l'épisode il a démarré depuis un petit moment et je fais seulement mon intro parce que l'épisode commence vraiment seulement maintenant. Avant c'était juste des images d'archives, tu vois, c'est le truc que j'ai fait sur le côté sans vraiment vous en parler. J'ai tué des Pokémon, j'en ai capturé d'autres, ils ont évolué, tout ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long, mais voilà. Donc nous allons découvrir le Voltor Bataille, qui est ce qui remplace le... Comment ça s'appelle ?
le casino, en fait, bah, les machines à sous du casino, et je ne vais pas y jouer. Non, là, je regarde un petit peu, voilà. Je regarde l'écran, et ensuite, on se casse, parce qu'en fait, je m'en fous. À quoi tu sers, toi? Ici, vous pouvez échanger vos jetons contre des beaux Pokémon. Oui, mais sauf que là, j'en ai absolument pas des jetons. Donc, chut. Tais-toi, ne me propose même pas ça. Je veux dire, j'ai pas de sous, tu me vends pas des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique petite bicoque? Bonjour mademoiselle. C'est mon frère qui a inventé le système pour déposer des Pokémon dans un PC. C'est mon frère qui a inventé... Oui, merci ta gueule. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, tu collectionnes les Pokémon? Mon fils s'y connaît bien, le sujet. Il s'appelle Léo, il vit à Roselia. Et oui, d'accord, Léo de PC de Léo. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi? Eh bien, c'est vraiment une ville gigantesque, je suis totalement perdu, moi. Oui, enfin, c'est une ville gigantesque, mais il y a 4 rues, hein, donc je sais pas comment tu fais pour te perdre. Et là, il y a écrit quoi? Attention! D'accord, et c'est tout? Attention! N'allez pas dans le tunnel à bicyclette! D'accord. C'est vraiment si dangereux que ça? Genre, il y a un champ d'énergie spéciale qui fait que si tu montes sur la bicyclette là-dedans, tu exploses ou un truc comme ça? Putain, pour qu'ils te le préviennent, tu sais... Attention, pas à bicyclette là-dedans, t'es malade! Il y a un cycle à gogo et je sais pas où le trouver. Si c'est cette maison, mec. Si c'est cette maison. Non, c'est pas cette maison, ok, ça va. Ça va. C'est bon. J'ai foi à nouveau. Quand j'utilise certains objets sur mes Pokémon, je les rends vraiment heureux. Oui, alors... comment t'expliquer que ça commence par Vib et ça finit par Sœur et que c'est prévu, c'est fait pour, mais t'es pas censé en avoir à ton âge? Donc je ne sais pas pourquoi, tu stops. Stop, arrête, enlève cette image de mon esprit, Pokémon. Pourquoi tu détruis mon enfance comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, hein? Alors, mais merde, hein, c'est pas possible. Bon, les voilà, les cycles à gogo, hein, c'était dans la même rue. Mais bon, j'ai ouvert un magasin ici, mais les bicycles se vendent pas. Bah, en même temps, t'as bien caché ton magasin, mec, hein, donc ça se comprend. Je vais te prêter une bicyclette. Prêter? C'est-à-dire que je vais devoir te la rendre? J'imagine bien le mec, juste avant la ligue Pokémon, c'est il me rappelle « Bon allez, hein, maintenant tu me la rends ma bicyclette, je te l'ai pas prêté à vie non plus, hein. Maintenant faut que tu l'achètes, 1 million de Poké-Dollars. » Ah ouais, ah d'accord. Ah, enculé. Non, il va pas faire ça, évidemment, après il va m'appeler pour dire « Oui, alors, vu que tu t'es baladé à bicyclette, t'as fait plein de pubs pour nous, et du coup tu vas pouvoir la garder et tout. » Je le dis au cas où ça arriverait hors épisode, que je me balade en bicyclette et puis que soudain ils m'appellent et puis qu'ils me disent « Bon, bah maintenant tu peux la garder » parce que je sais plus quand est-ce qu'ils t'appellent pour te dire que tu peux la garder. Je pense qu'il n'y a pas d'événement spécial requis, c'est juste comme ça au bout d'un moment, genre, je sais pas, 12 heures de... Oh non! Non! Dueling! Je crois que je suis enceinte! Et je m'en fous! Je m'en fous! Ta gueule! Je m'en branle, franchement, sérieusement. Je vais te donner un coffret mode! Tu m'as bien regardé, là? Non, mais sérieusement, Célestia, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui a envie d'un coffret mode? Sérieusement, je veux dire, regarde-moi. Je suis déjà un beau gosse. J'ai pas besoin du coffret mode. Tu vois que je vais mettre quoi? Du rimel sur les sourcils et du fard à paupières sur le cul et ça ira mieux? Non, je suis un beau gosse. Je suis Dueling, bordel de merde. Je veux dire, j'avais fait une blague de merde, non, c'est pas grave. On va oublier. J'allais citer un magazine de mode pour hommes, mais en fait, comme j'en connais pas, bah du coup, j'ai commencé ma phrase et je suis pas capable de la finir. Mais enfin bref, il y a des magazines de mode pour hommes qui s'arrachent mes photos de ma gueule. Alors tu vas pas me donner une boîte, un coffret mode, dans lequel tu vas pouvoir mettre des petits rubans, des petits machins, et transformer ta tête en patchwork bizarre de couleurs dégueulasses mal assorties. Hein? Y a pas marqué Nicki Minaj sur mon front. Qu'est-ce que c'est ça? Entrée interdite. D'accord. D'accord. Ok. Donc l'entrée est véritablement bloquée. Soit. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous dites monsieur? Mon Pokémon s'est fait toiletter. Regarde comme il est beau et fort. Il y a du toilettage de Pokémon avant Kalos. Oh mon dieu! Non, je le savais, évidemment. C'est là, quand tu toilettes ton petit Evoli, et bah du coup, il peut gagner plus de bonheur, et du coup, bah, il peut évoluer en Mentali ou en Octali, et tout, plus vite, tout ça. Je viens de one-shotter ton Pokémon avec Darabeille. J'espère que t'as honte. Très sérieusement, j'espère que t'as honte. Bonjour, bienvenue au salon Pokémon. Je suis le cadet et le moins cher des coiffeurs.
D'accord, veux-tu que je m'occupe de tes Pokémon? Non, merci, non, Darabei n'a pas de cheveux, donc tu pourras faire à peu près tout ce que tu veux, ça... Tu n'arriveras pas à faire... À faire quoi que ce soit avec, tu vois, c'est comme si Bruce Willis rentrait dans un salon de coiffure, tu vois, après il dit bon, bah, désolé, je cherchais la boulangerie, je me suis manifestement trompé, tu vois, c'est comme les aimants, ça se repousse, c'est pas possible, tu peux pas mettre en contact Darabei qui a pas de cheveux avec un salon de coiffure, c'est pas possible, voilà. Gonfleur, il est très bien avec sa petite crête là, pourquoi est-ce que tu veux changer? Et esthétiquement, il est parfait, Gonfleur. Non mais oh. Bon, le seul Pokémon à qui tu pourrais donner des trucs de coiffure, c'est Mega Pharamp. Mais à ce stade du jeu, Mega Pharamp n'existe pas. Donc je sais pas, tu vois, par exemple, prenons un exemple. Magnéti. Si j'emmène Magnéti au salon de coiffure, vous croyez qu'il va se passer quoi? Le mec, il va le regarder là, avec son peigne, il va dire bon. Et ben. Merde. Ou alors il se met au chômage. Il dit bon, d'accord, ok, ben. J'ai été surpassé par les événements, je me casse, voilà, je me casse comme ça, encore faut que j'arrête de me casser physiquement quand je dis que je me casse, sinon après je ne regarde plus l'écran et je ne sais plus ce qui se passe. Un Voltorb, oh mon dieu, ne m'explose pas la gueule. Bon ça va, il est niveau 11, donc je pense pas qu'il ait explosion ou destruction, et même s'il avait explosion ou destruction, je pense qu'il me ferait pas mal, mais, quand même. Oh, oh, oh. Je suis le Père Noël! Ou bien. Oh oh oh! J'ai en vert, et à part ça, voilà. Bien, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Oh bonjour! On n'est pas un simple studio photo. Ici, tu peux te prendre en photo en un déguisement d'un membre de la Team Rocket. Alors ça te dit? Carrément? Ah ouais? Ouais, c'est sans doute mieux de pas admirer la Team Rocket. Ah d'accord, donc tu vas me dire non. D'accord, bon, ok, donc c'était un dialogue dans Pokémon où vous étiez censé dire non. C'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être signalé, mais bon, soit. Et là, c'est une galerie photo. On s'en fout complètement des souterrains de Doublonville, en fait. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez un intérêt quelconque pour relever l'intérêt de ce couloir, ou même pas? T'as des Pokémon rares avec toi, je me trompe? Oui. Carrément. Si, oui, non, si, oui, j'ai Alakok, qui est rare. Mais bon, apparemment, même le professeur Horn, il s'en fout, donc je sais pas. Oui, sinon oui, il est rare, mais bon, à part ça, j'ai un Darabei. Ouh là là, un Dardarmion, pardon. Ou un Ratatak. T'en as jamais vu un Ratatak dans ta vie, hein? C'est trop méga important et rare. Tu n'en crois pas tes yeux de pouvoir poser tes yeux à toi sur une créature aussi légendaire que Ratatak. My God. Essaye de te battre avec autant de dresseurs possible, tu pourras enregistrer leurs Pokémon tout en gagnant de l'expérience sans... Deck! Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi, toi? Phew, j'ai été provoqué en duel de Pokémon dans le tunnel, j'ai eu la peur de ma vie. Fais attention où tu marches. Non. Des Voltorb niveau 11, franchement, ça fait peur à personne. Hein. Si la peur de ta vie, c'est un Voltorb niveau 11, mais va te cacher. Bon, je suis le spécialiste des noms. Veux-tu que j'examine les surnoms que tu as donnés à tes Pokémon? Non, ça ira. Bon, bah, fais comme tu veux. Si, si, attends, oui, si. Non, non, il faut que je renomme Darabei, parce que franchement, au début, je me disais, oui, bon, Dardarmion, franchement, à quoi ça va me servir et tout. Et puis, au final, elle est toujours dans l'équipe. Donc, il est peut-être temps que je change son nom envers quelque chose qui lui corresponde plus, tu vois. Quelque chose qui marque le renouveau, le respect que je porte maintenant à ce Pokémon. Sinon, il va se croire rejeté, hein. Maintenant, il faut montrer au monde entier le respect que je porte à Darabei. Dorénavant, ce Pokémon sera nommé Dardébile. C'est légèrement mieux, tu ne trouves pas? C'est parfait. Ça lui va, mais comme un gant. Voilà. J'espère que tu kiffes le respect que je porte à toi, Darabei. Je parle pas français, mais c'est pas grave. Et toi, qu'est-ce que tu dis, petit homme? Tu ne te barres pas quand je te parle, déjà? C'est la tante du spécialiste. Oui, non, merci, je sais. Oui, voilà. Oui, parfaitement, oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est déjà allé par là? Non? Ce type habillé en noir, tu crois qu'il joue aux membres de la Team Rocket? Quel idiot! Ou alors c'est un membre de la Team Rocket aussi, c'est possible. Et je sais pas de quel type habillé en noir tu parles, donc bon. Je ne sais pas là. Je suis pas sûr que ça marche. L'humour de Pokémon. Non, bah pour une fois qu'il essaye de faire de l'humour un peu absurde, soyons généreux. On va lui mettre un lol d'argent, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
C'est quoi ça, c'est la tour radio? Oui, la célèbre tour radio de Doublonville. Bienvenue à la tour radio de Doublonville, je viens de le dire, merci. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bienvenue à la loterie Pokémon, mon nom est Felicity. Ha! 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 Ah, tu veux dire comme Félicité, qui vient du latin Félix, qui veut dire chance? Oh mon... Félix, pardon. Du latin Félix, qui veut dire chance. Oh mon dieu, comme c'est original! Pour une femme qui fait la loterie! Oh, c'est mignon! Le jeu du moment, donnez 5 bonnes réponses à notre quiz. Voulez-vous tenter votre chance? Non. Première question, j'ai dit non! Peut-on consulter la carte depuis son Pokématos? Oui. Deuxième question, les Pokémon Nidorina sont-ils tous femelles? À part les transgenres, oui. Fargas, le fabricant de Pokémon, utilise-t-il des noix Grom? Non. Quatrième question, est-il impossible d'utiliser une CT sur le Pokémon Magikarp? Bien sûr qu'il est impossible d'utiliser une CT sur Magikarp. L'intervenante de la fameuse émission du professeur Chen, la chronique Pokémon, s'appelle-t-elle Lola? Mais non, bien sûr que non, elle s'appelle Lula, pas Lola. Qui pourrait se faire avoir par un piège aussi évident, quoi? Mais sérieusement? Ouais, je peux maintenant écouter la radio sur mon Pokénav. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, waouh, hein, tu déchires, toi, je suis allé jusqu'à la troisième question. Hein, je pensais trop qu'on utilisait des noix Grom, hein, t'es trop fort, hein, je vais me rentrer à l'arène. Oh, mon Dieu! La championne de l'arène de Doublonville est une trisomique. Bien, je pense que je vais avoir un peu moins de difficultés que prévu à remporter mon troisième badge. Maintenant que j'ai dit ça, je vais probablement me faire défoncer. Par son Mélofée, même pas par son Écrémeux, par son Mélofée. Écrémeux, je le verrai même pas, c'est bon, ça y est. J'ai tellement la poisse que c'est mort, voilà. C'est bon, maintenant que j'ai dit que j'allais avoir aucun mal à la battre, voilà, elle va me tuer tous mes Pokémon avec son Mélofée. Si elle le fait, je démissionne. Si elle le fait, je me casse! Est-ce qu'à force, si je continue de le faire, est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir drôle? Non? Bon, ok, j'arrête alors. Ok, donc... voici ta carte à points, je t'offre une carte bleue! Sérieux, il y a vraiment un mec qui a codé le truc et qui a dit carte bleue et qui a pas fait le jeu de mots dans sa tête avec le... Franchement... Avec la carte bleue. Voilà, maintenant Dueling a une carte bleue. À 10 ans. Et ouais, il est majeur, il fait ce qu'il veut, il en a rien à foutre des règles. J'ai une carte bleue et voilà, et j'en fais ce que je veux. Et puis du coup, bah, je peux acheter... qu'est-ce qu'il peut acheter du coup avec une carte bleue? Tout! Il peut faire des achats sur internet même. Voilà, du coup il va acheter... je sais pas. Il a même pas internet, Dueling, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Sachant que je ne sais pas non plus à quoi sert la carte bleue dans ce jeu. Je ne me souviens pas que ça existait dans les versions originales. Faudrait que je vois à quoi ça sert, parce que du coup j'ai pas eu le temps de lire. Fleuriste de Doublonville, toutes les beautés du monde dans une petite boutique. Ah, c'est intéressant ça. Bonjour madame, est-ce que... On dit qu'un arbre bizarre se trouve sur la route 26, il se mettra à danser, nanana. Je suis fleuriste donc j'ai des tas d'arrosoirs mais c'est dangereux, je ne préfère pas en prêter à n'importe qui. Quoi? Si tu vends le champion de l'arène de Doublonville, je t'en donnerai un. Meuf, c'est un arrosoir! C'est pas une arme de catégorie 12, c'est pas la bombe nucléaire, c'est un putain d'arrosoir! Comment est-ce que tu peux dire que l'arrosoir est une arme dangereuse et qu'il faut des qualifications pour en avoir un chez soi? Un arrosoir... Qui a écrit cette ligne de dialogue? Quelle drogue prenait-il? J'en veux pas! D'habitude, la blague, c'est que tu dis je sais pas ce qu'il prend, mais j'en veux pas! Je sais pas ce que c'est que cette drogue, mais ça rend con! Mais con! Mais c'est pas possible! Un arrosoir! Qui considère un arrosoir comme une arme de catégorie 12? Ça, c'est le cri de mon incompréhension totale. Non, je ne me casse pas, mais merde. Quand même, quoi. Oh, t'es un sacré numéro, toi. T'en as pas marre de gueuler dans l'arène, là? Ça résonne sur les murs et tout. Allez, viens, je vais te défoncer la gueule avec mon fouinette niveau 9. Fouinette. Niveau 9. Fouinette niveau 9! Bordel de merde dans la troisième arène du jeu! Mais qui a fait ça? Qui en veut à ma santé mentale? C'est pas possible! Les gars, pourquoi? C'est pas vrai quoi, merde!
Faites un effort. Niveau 9, dans la troisième arène du jeu. J'en ai rien à foutre qu'après ils augmentent de niveau au fur et à mesure. Le premier est niveau 9. Ça ne sert à rien. Ah oui, et pour ceux qui se diraient, oh, l'arène elle est quand même vachement bizarre et tout, la disposition des meubles et tout, c'est quand même vachement étrange. Et bien si vous regardez l'arène dans son ensemble en faisant une vue du dessus, et bien vous pouvez voir un Mélophé. C'est vrai dans la version or, argent et cristal, et c'est vrai aussi, ils ont refait ça dans cette version-là. Si j'y pense, je vous mettrai une petite image par-dessus pendant le montage pour vous montrer qu'on voit un Mélophé. Si on regarde l'arène depuis le ciel, voilà. Donc, en fait, la disposition a du sens. Par contre, quand on est au niveau du sol et qu'on ne le sait pas, c'est vrai que du coup, on se dit, mais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les murs, les blocs... Regardez, là, tu crois que tu peux passer, mais en fait, non. Là, par contre, tu peux. Voilà, c'est pas forcément visible à l'œil nu tout de suite, quoi, voilà. Bon, là, par contre, tu peux passer, il y a une arche et tout, c'est suffisamment évident. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'intéressant? Tu ferais bien de te méfier des filles! Soit. Ok, d'accord, bon, c'est... Ouais, si tu veux. Je vais me méfier des filles, alors. C'est si dangereux que ça? Ça mord, les filles? Je pense que ça mord, ouais. Ça doit mordre. Et oui, d'ailleurs, ça mord. Il y a un snowball, là, sur l'écran. Donc, c'est la preuve. Les filles, si ça ne mord pas, en tout cas, ça t'envoie des putains de pitbulls enragés dans la gueule pour qu'ils te mordent les orteils jusqu'à ce que tu meurs. D'accord, donc méfions-nous des filles. Je préfère les Pokémon mignons plutôt que les Pokémon forts. C'est pour ça que je suis dans une arène. Parce que, tu vois, c'est totalement pas mon métier d'avoir des Pokémon forts. Rondoudou, si tu m'endors, je te bute. Bon, ok, je t'ai buté quand même dans tous les cas, donc voilà. Ok, soit. Rondoudou, si tu m'endors, je te bute. Mais je t'ai buté de toute façon, alors bon, ça va. Et tu vas envoyer encore un putain de Rondoudou. Si tu m'endors, je te bute. Et tu es mort quand même, donc voilà. Ok, bien. Donc nous n'aurons pas de problème avec ces rondoudous. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je garde Darabeille en tête depuis le début de l'épisode et que je vais pas avec Machoc où je pourrais défoncer beaucoup plus facilement les Pokémon. Eh bien, tout simplement parce que je vais envoyer Darabeille en tête contre Blanche parce que j'ai une stratégie. Oui, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus intelligemment que juste péter la gueule du Pokémon d'en face avec toute la puissance de ma violence. Parce que c'est quand même les crémeux de Blanche, quoi, donc voilà. Ok, d'accord. Cette fille, elle saute un petit peu partout, ok, ça arrive, soit. Donc Daredevil. Daredevil va utiliser Pic Toxique. Du coup, quand cette grosse vache va s'asseoir au prochain tour, eh ben, elle va s'asseoir sur les Pics Toxiques et elle sera empoisonnée. Hé, hey, parle pas comme ça, mon écrémeux. Je ne parlais pas de ton écrémeux, je parlais de toi, Blanche. Connard. Voilà. Ça c'est fait, et donc nous allons pouvoir défoncer Mélophé qui n'est pas mort et qui utilise Copy. Oh, c'est intéressant, Mélophé apprend Coupe. Malheureusement, Blanche n'ayant aucun badge, elle ne peut pas se servir de son Mélophé avec Coupe en dehors des combats, du coup ça ne lui apporte rien. Voilà, et j'ai cru que j'allais pouvoir le buter, mais évidemment elle a soigné son Mélophé, ce que je préfère d'ailleurs. Je préfère qu'elle soigne son Mélophé plutôt qu'elle soigne son écrémeux qui, de toute façon, peut se soigner tout seul, avec les meumeux, n'est-ce pas? Hein, voilà. Bon, et donc poursuite, et normalement tu devrais crever. Bien, sachant qu'en plus comme Daredevil est une fille, eh bien je ne suis pas embêté par la capacité spéciale attraction qui est pas la capacité, enfin attraction c'est pas le nom de la capacité spéciale, mais regardez. Pouf! Et voilà, dans ta gueule les crémeux, dans ta gueule, t'es empoisonné, tu l'as dans le... Quoi? Béprine guérit de son empoisonnement. Espèce de saloperie de connasse d'enculé de merde! Oh mon dieu, d'accord, ok, ça commence très très mal. Donc je vais utiliser demi-tour comme c'était prévu pour switcher avec Gonflore. Et voilà. Merde. Bon bah maintenant en tout cas je peux y aller avec toute la puissance de ma violence. Elle peut plus utiliser sa béprine pour... bon voilà. Vas-y, écrase-moi. Oui, fais-moi mal. Et maintenant Gonflore utilise Vendetta. Il y a des chances que je la one-shot. Est-ce que tu meurs? Tu meurs. Ok. Donc,
Pour tous ceux qui disent que l'écrémeux de Blanche est le pire Pokémon de toute l'existence, de toute la vie, non, d'accord ? J'ai beaucoup plus peur de l'insécateur d'Hector que de l'écrémeux de Blanche. Ceci n'a aucun sens, voilà. Pourquoi Internet fait autant de... Qu'est-ce... Elle pleure ? Sérieux ? Tu pleures ? Oh mon Dieu ! C'est pathétique. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Blanche a fait son caprice. Elle s'arrête au bout d'un moment. Elle fait toujours ça quand elle perd. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que je la revoie. Quoi encore ? Hein, le badge ? Oh, désolé, j'avais oublié. Voilà le badge. Tu m'avais même pas donné mon badge ! Codasse ! J'avais même pas percuté. D'accord, bien ! Avec ce badge, tu peux utiliser force même en dehors des combats. Tiens, prends ça aussi, la CT45, qui contient... J'ai aucune idée. Attraction, une capacité qui tue tout. Je crois que tu ne connais même pas les attaques que tu donnes, quoi. Attraction, une attaque qui tue tout. Non, attraction ne fait aucun dégât. Donc je... Voilà. Je sais pas qui c'est qui s'est occupé d'écrire les dialogues à Doublonville, mais je pense qu'il était sous crack. Ou toute autre substance équivalente. Parce que là, très sérieusement, y a la plupart des dialogues n'ont absolument aucun sens. Bon, alors du coup, nous allons pouvoir nous balader sur ce Mélofée où il est extrêmement difficile de se balader. Bien, oui, aussi, Daredevil, on va le mettre tout en bas, on va échanger avec Ratatak, enfin Incisive. Parce que bon, si je fais tout l'épisode avec Daredevil, après vous allez crier au favoritisme alors que j'aime pas Daredevil. Bien, Doublonville, c'est là que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est qui m'appelle ? Allons mon poussin, c'est maman, tu vas bien ? Aujourd'hui en allant faire des courses, j'ai retrouvé quelque chose qui devrait te plaire. Alors j'ai craqué et j'ai dépensé tes sous, désolé. Encore ! Putain, quand je suis retourné au bourgeon, j'aurais dû aller la voir, cette salasse ! Et lui couper les vivres. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle fout ? Elle reste assise sur son banc toute la journée dans sa pauvre cuisine de merde. Qui c'est qui ramène à la maison les sous ? C'est moi, le petit garçon de 10 ans. Alors sérieusement, merde quoi. J'aurais dû lui couper les vivres. Ça lui aurait appris, tiens. Comme ça, elle aurait peut-être bougé son cul. Elle serait allée faire, je sais pas moi, caissière chez Carrefour. Je m'en fous qu'elle fasse quelque chose de ses journées. Parce que là... Putain. Faire la cuisine, quoi. C'est quoi l'image de la femme que tu donnes, là ? La femme au foyer qui fait la cuisine et qui fout jamais rien. C'est comme ça que tu veux faire avancer la cause féministe ? Je ne te félicite pas, maman. Très sérieusement. Tu es la honte de l'avancement du féminisme dans le monde. Voilà. Merde. Bien. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ? Encore à Doublonville. Mais oui. Maintenant, j'ai l'autorisation express de la part de l'État de pouvoir avoir un arrosoir en tant qu'équipement d'armes nucléaires dangereuses. Donc on va aller le demander. On dit qu'un arme bizarre, oui, je sais. Oh, c'est le badge de la reine de Doublonville. Tu as battu Blanche, alors je n'ai plus de soucis à me faire. Je peux te prêter ce carapuce à eau. Ou en fait, je te le donne. Tiens, voilà. Parce que moi, tu sais, bah, comme j'ai pas de badge, bah, je vivais dans l'illégalité la plus totale. Oui, je l'avoue maintenant. Je suis coupable de détention d'arrosoir contre la volonté de l'État. Je suis passible de 8 ans de prison et de 145 000 pokédollars d'amende. C'est grave, docteur. Oui, c'est très très grave. Franchement, si j'avais pas de cœur, je te dénoncerais au flic qui est au sud de Doublonville, là, celui avec son caninos niveau 17. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Non, je déconne. Je vais aller racheter, maintenant que j'ai des sous, c'est surtout ça le truc, maintenant que j'ai tabassé plein de monde et que j'ai des sous, je vais pouvoir acheter des super potions et des super balls. Du coup, eh bien, je pense que pour terminer l'épisode, on va aller au nord, on va capturer un Pokémon, et puis nous allons terminer cet épisode, et puis ce sera très bien, voilà. Comme ça, je serai content. Et si je suis content, vous aussi, vous êtes content. Par principe et définition, parce que mon bonheur, c'est votre bonheur, voilà, n'est-ce pas ? Bien, mais parce que je suis le centre du monde. Je croyais que vous étiez au courant maintenant depuis... non ? Eh ben voilà, ben bon, maintenant vous le savez, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Voilà. Donc nous allons acheter quelques Super Bowls, disons... 6, 7, 8, 10, 8, 8, 10, 8, 9. Voilà. On va faire la moyenne des deux, ça ira très bien. Voilà, donc 9 Pokéballs, 9 Super Bowls. Voilà, comme ça je garde un peu de sous de côté, c'est très bien. C'est la bonne solution. Et maintenant donc nous allons enfourcher notre vélo et partir à la recherche vers le nord d'herbes pour capturer des Pokémon. Qu'est-ce que vous dites madame ? On dirait pas, mais malgré mon âge, je m'y connais un truc technique. Tu veux que je t'apprenne à écouter la radio ?
Parce que, apparemment, je suis un abruti congénital et je ne sais pas comment, comment écouter la radio. Voilà. Déjà, apparemment, je ne savais pas courir tant qu'on m'a pas offert les chaussures adéquates. Maintenant, je ne sais pas me servir d'une radio. Ce jeu m'apprend beaucoup de choses sur moi-même, c'est très intéressant. Maintenant que j'ai eu d'ailleurs le vélo de... Ah merde. Bon d'accord, bonjour madame. Je voulais pas faire de combat, mais bon, c'est pas grave. Ah bah, il y avait pas d'herbe avant, donc je suis obligé de te combattre pour avoir un... Pour avoir un tas d'herbe, donc c'est pas grave, on va te défoncer ta gueule, de toute façon t'es niveau 15. Donc tu n'es pas de problème. Maintenant que j'ai un vélo, je peux enfin vous avouer l'un de mes plus grands secrets. Dans la vraie vie, IRL, je ne sais pas faire de vélo. J'ai jamais réussi à tenir sur un vélo, je sais pas en faire. Par contre, dans Pokémon, ça va. Voilà, appuyer sur le... Oh mon dieu, mais j'ai pas envie d'affronter toute la planète de... Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, on capturera un Pokémon dans le prochain épisode, on verra, voilà. Donc, en attendant, foutez-vous de ma gueule dans les commentaires parce que je sais pas faire de vélo. Et puis, voilà, en attendant de vous retrouver, je vous dis salut à tous, et à la fois prochaine.